Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette petite fricotée de news, et comme vous l'avez sûrement vu, Tibo en chape est passé devant Squeezie, le premier youtubeur français complètement brisé par Tibo en chape, qui avait un peu abusé du système de short de YouTube. On rappelle, c'est des vidéos courtes, et souvent il y a plein de gens internationaux qui s'abonnent juste pour les shorts, et du coup ça fait gonfler son nombre d'abonnés. Et coup dur, et ce qui est encore plus dur, c'est que apparemment Tibo en chape est un youtubeur d'extrême droite, et puis Squeezie était connu comme être quelqu'un de déconstruit, de gauche. Du coup, évidemment, tout le monde pète un câble sur Twitter. Les woke sont complètement brisés. On va regarder ça, les réactions sont croustifondantes. Rick balance le générique. Je suis giga, t'es nano. Ils peuvent pas me voir comme si j'ai l'anneau. SO la 7, chaque jour je sers sans le lobby. Je la continentale et la fente de glace. Dans le complot comme la NBC. Je suis dans ma gauche, je fais des SPC. J'arrête chinois comme la HSBC. Bon, ça devait bien arriver, mais est-ce que c'est vraiment légitime d'avoir plein d'abonnés comme ça? Parce qu'on sait qu'ils regardent pas forcément les vidéos officielles, mais plutôt les shorts. Ça, c'est un autre débat. Mais regardons la réaction des gens. La montée de l'extrême droite en France résumée en une actualité. Reggae le gorilla brisé. Alors Thibaut, si c'est quelqu'un d'extrême D, ceux qui sont plus à droite, c'est la giga ultra droite. Hein. Alors qu'en pense la population? Toi, tu commences à nous faner, à faire exprès de taper des tweets de merde pour stats. Reste sur le cinéma. Post affligeant. Bon, au moins, ça va. Les woke sont pas pris au sérieux. Là, on voit le compteur, c'est là où il a été dépassé. Au 18 800, mais là, on regarde sur Social Blade, on va faire un petit tour, vous allez voir qu'il gagne beaucoup plus d'abonnés, Thibaut, en fait. Alors regardez, ça, c'est la page de Squeezie. Il est en B+, et il gagne en moyenne 3300 abonnés par jour. Thibaut en chape, lui, A+, il gagne en moyenne, oh là là, 50 000 abonnés par jour, c'est énorme. Et grâce à ses vidéos short, regardez, ça fait gonfler ses stats, il fait 1 milliard de vues par mois. Alors Squeezie, il est en pause, donc ça compte pas trop, on va dire qu'il fait 100 millions de vues par mois, mais là, il a 42 000. Mais bon, voilà, enfin 42 millions. Donc voilà, la montée de Tibo en chape, on va regarder les commentaires et se régaler de cette haine, c'est celle de Guérande, c'est rigolo là-haut, tac. La fille allergique aux hommes dit « Faut un peu s'inquiéter de la montée de la team d'extrême droite, là. C'est vérifiable. J'ai peur. » Un raccourci tapeur. Ce qui est inquiétant, c'est le niveau des gauchistes. Rien d'extrême ici, du bon sens et la bienveillance de la part de Thibaut. Quand même, si Thibaut est d'extrême droite, je sais pas ce que c'est après. C'est la giga ultra méga droite. Et là, le good, c'est quoi? C'est la ultra giga... Non, il n'y a pas plus que giga. Terra méga, oméga, giga à droite. C'est pas possible, faut arrêter. C'est la boucle. Et Thibaut, il a flexé un petit peu. Bonne journée, n'oubliez pas d'aller faire votre séance de sport aujourd'hui. Il sait évidemment. Voilà. Hop. Focus. 50 pompes tous les matins en sortant du lit. Ça, c'est ce que fait Psychodélik apparemment. T'es le numéro 1 que tu penses être. Laisse-moi tranquille, c'est repos aujourd'hui. Oui Thibaut, j'ai fait mon sport. Tu peux me coach, Thibaut? Ah, toutes les olives fameuses, la boucle. Ah, les bots, c'est chiant. Ils sont partout, dans les vignes, dans les campagnes, sur nos calvities. Mais moi, ce que je trouve le plus croustillant avec ça, c'est que Squeezie, on rappelle, il est un peu salé contre Thibaut. Il l'avait clashé gratuitement, on sait pas pourquoi. Je vais remettre ça, c'est rigolo. C'était il y a 5 ans, et Squeezie, on rappelle, il a fait une vidéo, il avait détruit David Lafarge, et Thibaut, on va s'en mettre un peu d'extrait. Mais que se passe-t-il? Vous ne rêvez pas du tout, c'est vraiment un setup live que j'utilise pour faire une vidéo sur ma chaîne YouTube. Mais pourquoi? Eh ben... C'était où l'extrait avec Thibaut? Oui, il avait gueulé contre Thibaut parce que lui, il vendait des petits caméos à 30 balles et on se souvient, ça avait un peu dégénéré parce qu'il y en a qui disaient des trucs pas très sympas et il répétait, Thibaut. Vidéo pour te dire que c'est toi qui es le meilleur. Bon courage dans ta perte de poids. On pense fort à toi. T'as le soutien énorme et sec de toute la team Shape. Ici, ce qui pose problème, c'est pas le fait que Thibaut il veuille gagner de l'argent. Tout le monde veut gagner de l'argent. Je veux pas que les gens croient que c'est ça qu'il faut lui reprocher du tout. D'ailleurs, je veux pas que vous croyez qu'il faut aller lui reprocher quoi que ce soit. Je fais pas du tout cette vidéo pour que les gens aillent niquer Thibaut derrière et qu'il se fasse harceler. Ici, le souci, c'est que moralement, c'est un peu limite de faire payer une vidéo dédicacée à des gens. Mais bon, après tout ce qui est NFT, vendre des. Je sais pas, des placements de produits douteux, bon, ça va. Alors, tout le monde est venu sous cette vidéo, et maintenant Thibaut in Shape a dépassé Squeezie, qui est revenu après que Thibaut ait dépassé Squeezie. Voilà, il est complètement brisé. Et Thibaut, il avait répondu sur ça d'ailleurs, il comprenait pas pourquoi Squeezie avait la haine de Thibaut. Petit extrait. Il y a un historique avec Squeezie pour qu'il réagisse à ça? Non, il y a rien, moi je l'aime bien Squeezie, moi il fait marrer. Donc non, je sais pas, je crois qu'il voulait pas trop m'aimer, il a décidé de pas trop m'aimer. Donc... T'aimes bien son contenu? Il a changé aussi, il a fait une transition. Ouais, exactement. C'est passé, bah, comme toi, c'était fitness, divertissement. Lui ça a été le gaming. Et bon, aujourd'hui, c'est généralisé, il fait des vidéos sur plein... Il est plus sympa, ce thème, quand même. Aux uns, pas plaisir aux autres, tu feras ça pour faire des vues, etc. Voilà, il faut vraiment, je pense, quand tu fais ce métier-là, ou n'importe quel métier. Enfin voilà, c'était la petite news. Alors vous êtes team Tiber ou team Squeezius? À chaque fois, ils ressortent ce vieux truc Facebook qui date de 2009. C'était il y a plus de 10 ans, quand il disait, où Tibo était plus radical. Toulouse et son mélange de culture. Un noir réélu, le mariage des homos adoptés, ce sera pas une journée facile. Où réside l'intérêt de pondre une population massive alors qu'on sait pertinemment qu'on ne pourra ni la soigner ni l'éduquer, qu'elle ne pourra croître en parasitant toutes les autres espèces. Il était en roue libre à l'époque. On enchaîne avec ce chef de projet qui en a marre du bullshit job et il se barre. Les chefs de projet. Le chef de projet est une personne qui est débordée, qui n'en peut plus, qui est au bord de la dépression. Il n'est chef, mais que de son projet. Il ne gagne pas beaucoup plus d'argent que les autres, et pourtant il doit quand même gérer ses autres collaborateurs. Qui c'est qui m'appelle chef? Personne, mis à part mon projet. Le chef de projet, quand on lui demande... Au moins tu pourras faire une bonne voix off avec ta voix, voilà. Ah non, c'est vrai, il y a l'IA, mince, comment on fait? Ben on fait pas du coup. On ramasse des pommes de terre, et voilà. Demande ce qu'il fait dans la vie, il répond chef de projet et on lui répond ah super alors tu dois suivre des projets, j'imagine. Tu dois cheffer des projets. Que ça doit être très très cheffeur de projet. De suivre l'état d'avancement des projets. Le chef de projet est également un graphiste. Il sait réaliser des présentations audacieuses. Il maîtrise à la perfection l'utilisation du pictogramme. Du diagramme, dans l'objectif est de masquer tout ce qui n'a jamais été fait. Il sait être sympathique et ne jamais s'énerver. Le chef de projet a bon fond, mais un jour il deviendra belliqueux. Il va craquer, il va envoyer son ordinateur à la gueule de son supérieur hiérarchique et lui dire d'aller se le carrer dans son fion. Il en a marre de faire de l'ordinateur. Alors le chef de projet, il vous dit à tous, allez tous bien vous faire foutre. Démerdez-vous avec vos plannings de merde. Il se casse, il va partir 2 ans à Cancun, louer des jet skis et surtout, il espère ne jamais revenir dans votre boîte de merde. Au moment, tu sais ce que tu fais. Loueur de jet ski, tu sais, c'est clair, t'as une image dans la tête. Quand t'as chef de projet, bah dans ta tête, tu fais... C'est trop généraliste en fait, je sais pas ce que c'est. Tu cheffes un projet, ok. Ce sont des choses qui arrivent. Tiens, il y a encore ça sur Tibo, j'en peux plus. Je viens de voir que Tibo en chapé de passer devant Squeezie, c'est honteux. On rappelle que le gars a percé sur des vidéos de 15 secondes homophobes et transphobes pour la grosse majorité. Survie. Alors, otage d'hétéro, c'est d'extrême droite, par là ça. Être dans un réacteur nucléaire, c'est d'extrême droite. La bagarre, c'est d'extrême droite. Le meilleur restaurant, c'est d'extrême droite. Ok, bref. Qu'est-ce que vous pensez de ces news? Laissez vos avis dans les commentaires. Allez, à plus, ça m'occupe. She got